C'est un bel honneur que vous me faites, parce que cette région, je l'ai parcourue quand j'étais enfant, à Fanjo d'ailleurs, mais j'ai des parents, oncles, tantes, et neveux, etc., cousins, qui sont de Fanjo. Et je conserve un souvenir absolument mémorable des temps que j'ai passé avec eux dans cette région-là. En particulier, tous les bals de fêtes de village, etc. Voilà, c'est très, très, très bien. Et voilà, et là, je vais essayer donc de vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup au cœur, qui m'a toujours, en fait, intéressé, c'est la lumière. Et en fait, la lumière, comme je disais, parce que j'étais invité aussi, à l'école de Villa Savary. Alors, l'école de Villa Savary, c'est pas n'importe quelle école, c'était l'école où est allé mon père. voilà. Et c'est, mon père était à l'EDF, comme certains d'entre vous, et on habitait la Savoie. Et un jour, donc comme il a électrifié, c'était le début des stations de ski en Savoie, etc. Un jour, on prenait le petit déjeuner, et il me dit, ah, hier, j'ai pris le café avec Madame Curie. Bon, j'avais peut-être 5-6 ans. Et j'ai dit, bon, ouais, et alors? Bien, alors, c'est que Madame Curie est prix Nobel. Prix Nobel, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est la première fois que j'entendais parler de prix Nobel. Et donc, bien sûr, il m'a dit, prix Nobel, c'est quelque chose d'inatteignable pour... Et voilà, c'est des choses comme ça qui me restent. Mais mon père m'a fait aimer la physique, c'est sûr. M'a fait aimer la lumière aussi. J'étais toujours en train, quand il m'avait dit que la lumière, c'était trop parcourir. Alors qu'on faisait du sport, et alors on faisait le 100 mètres en 200, enfin 20 secondes, 30 secondes, etc. Mais oui, mais ça, c'est pas exactement la vitesse de la lumière. Hein. C'est parce que la lumière, c'est 300 000 km par seconde. C'est 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Ça m'a fasciné. Je voulais travailler dans ce domaine-là. Et finalement, bon, c'était pas directement relié à ça, mais quand j'ai commencé à faire mes études supérieures, la recherche, Ted Neyman inventait le laser. Enfin, c'est pas exactement ça, c'est Charles Stamps qui a inventé le laser, mais lui, il a démontré pour la première fois. C'était en 1960. Et quelques années après, je commençais mes études de recherche. Et bien sûr, j'ai pas pu résister au charme du laser et j'ai passé toute ma vie dans le laser. Voilà. Et en particulier, j'ai pu réaliser un vieux rêve d'enfant de comprendre ce que c'était que la lumière et aussi pratiquement d'aller plus vite que la lumière. En la photographiant. J'étais avec un ami du Bell Lab, le premier à photographier la lumière lorsqu'elle traverse quelque chose comme un verre où on met de l'eau et puis un peu, une goutte de lait pour faire diffuser. Et voilà. Donc, et après, bon, j'ai fait d'autres choses, bien en particulier dans les autres intensités, etc. Donc je vais vous parler de ma passion, vraiment, pour la lumière. Cette passion, maintenant, c'était pour moi
la lumière, bon, c'était bien sûr brillant, etc., etc. Mais la lumière dont je vais vous parler, c'est une lumière extrêmement intense. Bah, peut-être 1 milliard de fois plus intense que le soleil. Et c'est ce dont je vais vous parler, en effet, avec mon étudiante Donna Strickland, avec qui nous avons travaillé. Nous avons pu démontrer une façon d'amplifier la lumière, non seulement de l'amplifier, mais aussi de la rendre meilleure, pouvoir la focaliser de façon. C'est pour ça que les intensités qu'on peut produire avec les lasers sont absolument énormes. Et c'est vraiment, je l'appelle la lumière extrême. Vous allez voir qu'avec la lumière extrême, c'est la lumière, en fait, qui produit les pressions les plus élevées. C'est la lumière qui produit les températures les plus élevées, etc. Donc, et les accélérations les plus élevées, comme vous allez voir. Donc voilà, on va essayer d'avancer. Alors, je voulais... moi, j'ai eu mon prix Nobel avec Donna en 2018, et récemment, il y a donc l'année dernière, trois de mes amis qui travaillaient aussi plus ou moins dans la même direction sur les lasers ont eux aussi partagé le prix Nobel. Voilà. Alors toute cette aventure de la lumière est partie de Ten Meman. Ten Meman, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la personne qui pour la première fois a fait fonctionner un laser. Alors, un laser, ça c'est un laser, ok. C'est un laser continu, qui émet de façon continue. Et le laser, en fait, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire une onde qui oscille. Qui oscille. Mais qui peut osciller parfaitement pendant des temps très élevés, sur des distances extrêmement élevées, là comme la Terre et la Lune. L'oscillation de la lumière est, je peux dire, c'est un milliard de millions un million de milliards d'oscillations par seconde. Et comme ça correspond à peu près à la distance Terre-Lune, parce que ça c'est pour les étudiants en physique qui sont là, mais ces oscillations ont une période qui est typiquement de quelques femtosecondes. La femtoseconde, c'est 10 moins 15 secondes, c'est-à-dire c'est 1 milliardième de millionième de seconde. Ça, c'est les échelles de temps sur lesquelles on travaille. Et je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Alors, vous avez deux types de laser. Un premier type de laser où le laser est continu, il émet de façon continue. Et puis un autre type de laser, c'est celui que j'ai développé. Lui, au lieu d'émettre 1 milliard de millions d'oscillations, il va en émettre que quelques-unes. Et et là, c'est ce que je montre ici, c'est que c'est de la lumière qui oscille que quelques fois. Mais vous allez voir qu'elle oscille de façon extrêmement grande. Et qui va pouvoir... Alors, voilà, donc c'est la lumière qui sort d'un de ces lasers, elle est née en impulsion. Les impulsions sont en 10,
femtosecondes, 10 moins 15 secondes, extrêmement court. La lumière se propage de quelques microns pendant ce temps-là. Je vais vous montrer maintenant pourquoi on fait ce genre de choses. Voilà. La puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Et on peut obtenir des puissances considérables en prenant un tout petit peu d'énergie et en produisant en un temps extrêmement court. Par exemple, la puissance que l'on peut produire du laser maintenant, c'est l'ordre du pétawatt. Alors, encore une fois, donc c'est un milliard de fois, non, plutôt un million de fois, la puissance d'une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire typique, c'est un gigawatt. Et un million de fois un gigawatt, c'est 10 puissance 15. C'est aussi la puissance, c'est 1000 fois la puissance du réseau électrique global. Et donc c'est quand même quelque chose de très grand. Mais la raison pour laquelle on obtient ces temps-là, c'est parce que on produit cette énergie qui est de l'ordre du joule. Alors, vous mangez à votre petit déjeuner un million de joules. Mais c'est l'énergie d'un joule à peu près, pour vous donner une idée. Donc, mais seulement, vous produisez avec le laser un joule seulement, mais en une femtoseconde, et vous avez 1000 fois la puissance du réseau mondial. Donc, ça peut vous donner des idées sur les applications. On va voir qu'il y a des applications absolument fabuleuses. Bon. Alors, la lumière aussi, elle produit une pression. La lumière qui vient des lampes qui nous entourent produit une pression. Mais bien sûr, cette lumière, la pression qu'elle produit est très 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 faible. Mais la lumière que nous produisons avec les lasers femtosecondes, le pétawatt, c'est la pression est de l'ordre de celle que vous ressentiriez si vous pouviez mettre 10 millions de tours Eiffel sur votre toit, sur votre doigt. Donc, je ne vous recommande pas de faire ça. Hein. Voilà. C'est ce genre de choses qui est vraiment... voir la lumière faire ce genre de choses, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Alors, ici, on a, et je le montre parce qu'on va l'utiliser, un graphe, hein, Y, X, etc., où on voit ce qu'on appelle l'intensité du laser en fonction des années. Alors, lorsque Ted Mehmann a produit son laser, alors cette puissance, cette intensité, on la caractérise en watts par centimètre carré. Et lorsque Ted Mehmann a produit son laser, c'était quelque chose de complètement nouveau, les intensités qu'il produisait étaient de l'ordre de... étaient dans le pied de dans le pied de la courbe ici, hein?
Et après, bon, quelques années après, on a réussi à augmenter cette puissance. Et on a, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce niveau-là, la 10 puissance 12 watts par centimètre carré. Bon. Et là, on s'est arrêté. On ne pouvait plus. Donc il y a eu un plateau pendant une vingtaine d'années à peu près. Et c'est parce que nous sommes arrivés à s'affranchir de ce plateau qu'on a pu produire ces intensités de lampes nouvelles énormes. Alors, c'est pour les étudiants ici qui sont dans la salle, je précise que le laser, les intensités dont on manipule, sont tellement grandes que l'indice qu'on appelle l'indice de réfraction, c'est-à-dire c'est le rapport, c'est la vitesse plus ou moins de la lumière dans un certain milieu. On le caractérise par un facteur qu'on appelle N. Et parce que l'intensité est très très grande, cet indice de réfraction va changer. Et c'est pour ça que il donne des choses absolument étonnantes, mais il y a la chose la plus ennuyeuse, c'est qu'il nous empêchait de monter en intensité. Donc il a fallu s'affranchir de ça, et la raison étant que l'impulsion laser, lorsqu'elle traverse ce milieu, elle produit des filaments. Et ces filaments, ensuite, détruisent le milieu amplificateur. Donc, on était obligé de s'arrêter sur ce plan, à des intensités qui correspondent à ce plateau. Et alors, on a... Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. On a inventé une technique, justement, qui nous empêchait maintenant, qui empêchait la formation de ces filaments dans l'amplificateur. Et si on empêchait de produire ces filaments, eh bien on pouvait alors bien sûr aller beaucoup plus haut, comme vous le verrez. Donc, c'était une technique qu'on appelle, je vais appeler CPA, pour Chirp Pulse Amplification en anglais, et qui fonctionne de la façon suivante. On produit, parce que je détaille un peu, parce que je sais qu'il y a des étudiants en physique qui sont là, et donc on prend des impulsions ultra brèves, et c'est ces impulsions ultra brèves qu'on va essayer d'amplifier. Seulement, si on amplifie l'impulsion ultra brève, on a ce problème de filamentation dans l'amplificateur. Et donc, on a eu l'idée d'étirer l'impulsion un million de fois pour faire baisser l'intensité d'un million de fois. Et ensuite, pour pouvoir, faire sortir l'énergie, utiliser l'énergie un million de fois mieux maintenant, parce qu'on n'avait plus ce problème de filamentation. Et donc on pouvait extraire l'énergie du barreau amplificateur. Et ensuite, l'idée c'était de recomprimer l'impulsion de façon à retrouver la durée de l'impulsion originale. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais le résultat était fabuleux. C'était fabuleux parce que maintenant, on pouvait aller beaucoup plus haut en intensité. Et on pouvait donc aller dans... vous allez voir, on pouvait faire des réalisations, des applications extraordinaires. Par exemple, une des plus extraordinaires, c'est certainement la lumière devient si intense
que lorsqu'elle se propage dans le vide, elle se matérialise. Elle matérialise le vide. Et la lumière se matérialise en matière. C'est ce qui se passe à ces niveaux de puissance extrêmement élevés, de l'ordre de 10 puissance 25 watts par centimètre carré, donc beaucoup plus élevés que ce plateau où on était confiné. Ça, c'est vraiment ce qui nous anime énormément, étudier cette matérialisation de la lumière par l'intensité. C'est quelque chose, un problème en physique, vraiment, qui avait été prédit, hein, mais qu'on ne peut arriver que maintenant. Il y a d'autres applications, alors on ira dans la bande verte, aussi qui sont aussi extrêmement importants, c'est que on peut maintenant accélérer des particules de façon étonnante, de façon bien meilleure, de façon beaucoup plus efficace que ce qu'on fait avec des accélérateurs conventionnels. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'accélérer les particules? Mais c'est extrêmement important, et surtout dans le médical. Parce que dans le médical, vous savez, on produit on cherche à accélérer des particules pour soigner, pour produire la radiothérapie, par exemple, etc. Donc, mais en général, ces accélérateurs sont très chers, très très chers, et donc puisqu'ils sont très chers, ils peuvent être que dans certaines cliniques, et donc ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de les faire de cette façon-là, ils sont beaucoup moins chers, qu'ils tiennent dans une boîte à chaussures au lieu de tenir dans un bâtiment. Très très grand. Voilà, ça c'est notre focalisation. Donc, la première grande application, c'est la possibilité d'accélérer des particules. Alors là, vous allez voir, accélérer des particules jusqu'à la vitesse de la lumière. Et alors, on accélère ces particules jusqu'à la vitesse de la lumière en un temps infiniment faible. Si vous prenez votre voiture et que vous vous dites, tiens, j'aimerais aller à la vitesse de la lumière, avec l'accélération que vous pouvez faire avec la voiture, il vous faudra toute une vie. Et là, avec ce type d'accélération, on peut accélérer les particules en quelques femtosecondes. En 10-15 secondes, la particule atteint la vitesse de la lumière. Vous verrez, après, il y a beaucoup d'applications étonnantes de ça. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu... Alors la bande jaune, c'est pas l'accélération d'électrons, mais c'est l'accélération de protons, qui est si importante pour la médecine. Pour la protonthérapie, par exemple. Donc, il faut produire ces protons. Et aussi pour faire de l'énergie propre, dépourvue de déchets radioactifs. Voilà. Donc, on va regarder. Alors, comme il a été mentionné par... au cours de mon introduction, effectivement, j'ai initier une très grosse infrastructure qui s'appelle l'infrastructure ELI. C'est une infrastructure qui a été financée par l'Europe et qui fabrique maintenant les lasers les plus puissants au monde. Le record, c'est produit en Roumanie, on a pu atteindre les 10 pétawatts. Et donc c'est le record mondial actuellement.
Bon, je vais passer là-dessus. Donc je vais parler maintenant comme pour pouvoir. Pardon. Pour pouvoir atteindre ces énergies ou ces puissances crêtes énormes, le secret, bien sûr, c'est de produire des impulsions extrêmement courtes. Le femtoseconde est déjà court, 10-15 secondes, un milliardième de millionième de seconde, c'est déjà court. Mais ce n'est pas assez court pour nous, pour son impulsion. Donc, je vais vous montrer des techniques qui vont pouvoir nous amener jusqu'à la zeptoseconde. Et l'idée aussi, bien sûr, c'est pas d'avoir de faire quelque chose d'unique, c'est que ça bien sûr, ça après permet des applications qui sont absolument étonnantes, pas seulement dans le monde scientifique, mais aussi dans le monde d'aujourd'hui, des applications sociétales, telles que la création d'énergie, telles que des choses propres. Donc là, je passe, parce que c'est... Alors, la façon qu'on utilise pour comprimer les impulsions... Alors ici, je prends une impulsion, vous voyez, qui est composée d'un cycle. Et cette impulsion, je veux la raccourcir. Cette impulsion est déjà courte, elle fait une femtoseconde. Mais ça ne me suffit pas, je voudrais que ça le fasse. L'attoseconde, la zeptoseconde, vous allez voir pourquoi. Donc, et la façon dont on fait pour comprimer l'impulsion de la femtoseconde à l'attoseconde ou à la zeptoseconde, je ne vous donnerai pas d'interrogation écrite après le truc. Ok, donc on utilise... ce qu'on appelle un miroir relativiste. Alors, je ne sais pas si vous étiez posé la question, mais quand vous regardez dans le miroir, et bon, vous voyez bien sûr, mais si le miroir est immobile, enfin, en principe. Mais si ce miroir, maintenant, d'une façon ou d'une autre, se déplace à la vitesse de la lumière, eh bien, la lumière qui va vous revenir, va être comprimée. Et elle sera comprimée d'une façon importante, c'est pour fonction de l'intensité qu'on a. Voilà. Et c'est de cette façon-là qu'on va comprimer des impulsions qui sont déjà très courtes. Là, par exemple, on part cette impulsion, lorsqu'on prend, c'est très simple. Je vais y arriver. Très très simple. Ah, c'est terrible ça. Non. Voilà, j'y suis. Donc, c'est très simple. On prend une feuille de métal, par exemple. Et cette feuille de métal qui va nous réfléchir la lumière, parce qu'elle est métallique, on va lui envoyer. Donc cette impulsion, déjà, qui est très 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 intense, voilà, focalisée. N'oubliez pas que ce que l'on fait, avec la lumière qui est déjà très très intense, on peut aussi la focaliser. On peut la focaliser sur des dimensions de l'ordre du micron. Votre cheveu fait typiquement 50 microns. Là, cette lumière, qui est déjà très intense, on va la focaliser sur une dimension extrêmement petite, ce qui fait qu'on aura des intensités extrêmement élevées. Et là, ce qui se passe, c'est quand cette lumière arrive sur cet échantillon, où il y a des électrons et des protons, c'est comme ça que la matière est faite, hein, eh bien, elle va pousser les charges négatives devant elle, les électrons, et elle va laisser les protons derrière. Donc ce que vous faites finalement, parce que c'est les électrons qui réfléchissent la lumière, ce que vous allez faire, c'est que
vous allez avoir ce miroir parce qu'on a fait une séparation de charge entre les protons d'un côté et les électrons de l'autre. Et parce qu'il y a des charges positives et des charges négatives, vous allez avoir un champ électrique qui va se former, mais un champ électrique d'une intensité absolument phénoménale. Un champ électrique qui est capable maintenant de prendre les électrons qui sont derrière et de les ramener à la vitesse de la lumière devant. Et donc, on a ce déplacement à la vitesse de la lumière qui va avoir une application très importante, comme vous allez voir. Donc là, parce que ce miroir maintenant revient et se déplace à la vitesse de la lumière, eh bien, l'impulsion va se trouver comprimée. Elle va se trouver comprimée d'une façon très importante, like facteur 100, facteur 1000. Ce qui fait que on va pouvoir obtenir des impulsions extrêmement courtes de l'ordre, c'est ce qu'on veut, de la zeptoseconde, c'est 10⁻²⁰ secondes, c'est-à-dire on prend le femtoseconde déjà, qui est un millionième de milliardième de seconde, et on va la comprimer d'un facteur 1000 ou 1 million. Et pourquoi on veut faire ça? Parce que ce que l'on fait en fait, c'est qu'on prend de la lumière qui est comprimée, on prend de la lumière où maintenant la période de la lumière, ou la longueur d'onde de la lumière, la période qui est normalement dans le visible une femtoseconde, maintenant elle sera 10⁻²⁰ secondes. C'est-à-dire que vous avez maintenant produit ce qu'on appelle des gammas. Gamma. Et ces rayons gamma, of course, ont des applications très importantes en médecine. Et donc, c'est une façon de produire des sources de lumière très importantes en médecine, mais qui seraient beaucoup, beaucoup plus. Les gamma qu'on peut produire peuvent être beaucoup plus importantes que ce qu'on peut produire avec des sources classiques de gamma. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on peut faire, c'est que maintenant, on peut avoir, parce qu'un joule, si on a un joule en une zeptoseconde, ça fait une puissance du zeta watt. Et si je focalise maintenant cette puissance du zeta watt sur une petite longueur d'onde, eh bien j'obtiens 10-29 watts par centimètre carré, c'est-à-dire maintenant je produis de la matière et l'antimatière avec la lumière. C'est ce qu'il faut avoir. Alors maintenant, il y a une application très très importante, c'est l'application de l'accélération. On va essayer d'accélérer les particules, les électrons. Et aussi parce qu'il y a des applications, comme je vous montrerai, surtout dans le domaine de l'énergie et dans le domaine du médical. Là, je vais aller passer un petit peu rapidement. Je vais passer là, oui. Juste pour vous donner, actuellement l'accélérateur le plus important au monde, c'est ce qu'on appelle LHC, Large Hadron Collider, qui se trouve à Genève. Et cet accélérateur fait 27 km de pourtour. Et maintenant, on est en train de construire un accélérateur qui fait 100 km. Et la raison est que
on veut avoir des particules, et ça, c'est très important pour connaître vraiment la matière, au niveau du téraélectronvolt. C'est le... Bon, je passe rapidement là-dessus. Et donc, avec les nouvelles façons utilisant le laser, maintenant on va pouvoir obtenir ce genre d'accélération et d'énergie pour les électrons sur maintenant des dimensions qui seraient de l'ordre du doigt au lieu de 27 km. Voilà. Alors, vous me direz que ça c'est bon pour les scientifiques, ça sert à rien. Vous allez voir. Alors, si je prends maintenant ces impulsions que j'ai produites, et je vais essayer d'obtenir des protons. Là aussi, pourquoi les protons, hein? Mais les protons, vous allez voir, sont très importants dans le médical et pour l'énergie. Eh bien, on prend des impulsions, l'impulsion, on prend une feuille de métal, très très fine, de quelques nanomètres, c'est-à-dire c'est dans la feuille de métal, elle est limitée par la distance entre les atomes. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va la soumettre à cette impulsion extrêmement puissante. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pousser les électrons devant, et les électrons vont attirer les protons, et on aura, comme ceci, des protons très intenses, et une durée aussi, des impulsions protoniques très intenses et très courtes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, je vais y aller rapidement. Si vous voulez, par des techniques conventionnelles, produire des électrons ou des protons avec des énergies comme on veut les atteindre, il vous faut des dimensions du kilomètre. Il faut que l'accélérateur, il fasse 800 mètres. Quoi. C'est vraiment de l'ordre du kilomètre. Et bien sûr, ça coûte excessivement cher. Et donc l'idée, ça c'est de produire ces protons, produire ces particules avec ces énergies, avec des systèmes excessivement compacts. Bon, là, je vais aller rapidement parce que c'est pas trop... Peut-être... C'est intéressant pour les physiciens, mais moins pour les... Pardon. Voilà. Il va. Voilà. Alors, une chose que je veux quand même mentionner, c'est que on peut produire maintenant des particules du rayonnement où on ne pouvait pas, il faut aller dans l'espace, il faut aller dans le cosmos pour avoir les mêmes types de particules, les mêmes types, ou faire les types de particules avec la même énergie. Donc, on revient à mettre les éléments du cosmos sur une table. On crée du rayonnement qui ne peut être produit que dans le cosmos maintenant. Qui ne peut être, pour avoir ce type de rayonnement, il faut aller dans le cosmos. Et on peut maintenant le produire en laboratoire. Donc bien sûr, c'est très important. Alors, il y a une chose amusante, par exemple, c'est créer des trous noirs. Vous savez que les trous noirs, c'est des objets qui attirent absolument toutes les matières, même la lumière. Même la lumière. Donc, elle les confine, et ce qu'on appelle les trous noirs. Mais parce que il est possible maintenant avec
ces lasers, de produire ces accélérations énormes, comme je disais, aller à la vitesse de la lumière en une fin de seconde. Alors qu'il faudrait des années, encore une fois, avec des méthodes puissantes pour arriver à aller à la vitesse de la lumière. Aller à la vitesse de la lumière en une femtoseconde, ça demande des accélérations qui sont extraordinairement grandes. Et ce sont des accélérations, là je vais m'aider de Einstein. Einstein nous a, c'est lui le premier qui est arrivé avec cette idée, de dire que finalement l'accélération et la gravité, c'est-à-dire la gravité c'est l'accélération terrestre, c'est la même chose. Et une façon de produire des trous noirs, des trous noirs qui seraient de l'ordre de 10 000 soleils, donc énormes, et bien c'est simplement en accélérant, en utilisant l'accélération du laser qui est plutôt banal, un laser d'une intensité de 10-22 watts par centimètre carré, mais c'est banal. Donc à ce moment-là, on peut reproduire une accélération qui est équivalente à une gravité qui est donnée par 10 000 soleils, quelque chose comme ça. Donc on peut maintenant étudier les trous noirs dans le labo. Bon, je passerai à ça. Alors maintenant, on va passer au domaine qui vous intéresse tous, je suis sûr. C'est la médecine, c'est l'énergie, c'est... voilà. Alors, quelles sont les applications ? J'ai montré qu'on a des impulsions qui peuvent... ou des impulsions d'électrons ou de protons qui peuvent être une énergie très grande, amplitude suffisante pour faire de la thérapie, par exemple, dans le cas de la protonthérapie. Alors vous savez que la protonthérapie par rapport à la thérapie normale a l'avantage, mais ça coûte très cher, a l'avantage de, on peut brûler la tumeur sans vraiment brûler, mais là je schématise un peu, sans vraiment brûler les tissus sains qui sont autour de la tumeur, ce qui fait que vous avez une tumeur quelque part et on peut envoyer ce faisceau de protons qui va brûler la tumeur sans brûler les tissus sains. C'est ça le gros problème pour... bien sûr. Ça, c'est en utilisant les protons. Et le fait, maintenant, je crois qu'il y a 4 centres en France. Il y en a un à Caen, un à Orsay, un à Nice, un à Lyon, le centre de protonthérapie. C'est tout. C'est tout parce que c'est extrêmement cher. Parce que ça demande des accélérateurs énormes aussi. Donc là, bien sûr, on a la possibilité de réduire la taille des accélérateurs et donc leur prix d'une façon considérable. Et donc, bien sûr, c'est très important. Voilà, ça c'est une grande application. Et puis, bien sûr, on arrive à l'application sur la production d'énergie propre. On sait très bien tous, on le sait tous, c'est qu'on n'arrive pas à produire de l'énergie vraiment sans détruire la planète. Sans vraiment... on pourrait, en utilisant ces impulsions ultra intenses, maintenant, je vais vous montrer un petit peu, d'abord on pourrait utiliser le thorium à la place de l'uranium, ça je ne vais pas trop en parler, mais on va pouvoir nettoyer, se débarrasser, brûler ce qu'on appelle les actinides mineurs, c'est-à-dire les éléments qui sont excessivement nocifs et qui durent
qui ont une vie de centaines de milliers d'années, 10 000 ans, 100 000 ans, etc. Alors comment fait-on? Alors si par exemple nous avons une centrale nucléaire qui fait 1 gigawatt, comme j'ai dit, 1 gigawatt c'est la puissance type centrale nucléaire, si vous utilisez le charbon, eh bien il vous faudra 100 trains de 100 wagons pour produire cette énergie pendant une année. Voilà. Bon, si vous utilisez l'uranium, le nucléaire, maintenant il vous faudra 300 tonnes seulement d'uranium. Hein, donc on passe donc de 3 millions de tonnes, parce que 100 trains de 100 wagons, ça fait de l'ordre de 3 millions de tonnes. On passe de ça à 300 tonnes d'uranium. Donc c'est beaucoup plus compact. Et si on utilise le thorium maintenant, on nous suffirait seulement que d'une tonne de thorium. Alors, quand on fait de l'énergie avec des réactions nucléaires, ça se passe comme ça. Donc vous avez ce qu'on appelle les actinides, c'est-à-dire ces actinides, ce sont l'uranium, le thorium, etc., ces éléments. Et on va bombarder ces éléments, on va les bombarder de... Donc, on va les bombarder de neutrons. Et ces neutrons donc, vont fissionner le noyau et produire de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Okay. Mais, ça ne passera pas toujours comme ça. Les neutrons aussi peuvent être capturés par le noyau. Et ceci... il forme un nouvel élément qui va produire des rayons radioactifs et pendant des temps de vie très très importants, hein, de 100 000 ans ou 10 000 ans, quelque chose comme ça. Okay? Donc ce sont des déchets à vie longue. Donc, quand on fait la fission, les neutrons arrivent et cassent le noyau pour faire de l'énergie. Eh bien, ça se passe bien. Les déchets qu'on produit quand même, c'est des déchets à vie courte. Donc, ce n'est pas un problème. Mais encore une fois, si je prends maintenant, certains neutrons ne cassent pas le noyau, mais plutôt se loge dans le noyau là de l'uranium, eh bien ça fabrique un déchet à vie longue. Et l'idée maintenant, bien sûr, c'est de se débarrasser de ce déchet à vie longue. Et pour faire ceci, j'ai vraiment... On fait ce qu'on appelle la transmutation. C'est-à-dire qu'on va prendre ces noyaux à vie longue, et on va les bombarder encore de neutrons pour les casser en des éléments qui ont des temps de vie, pas de 100 000 ans, mais de quelques minutes. Et c'est ça, c'est une des façons élégantes, très efficaces, de nous débarrasser de nos déchets. Voilà. Donc, pour ceci, il faut un laser spécial. Et ce type de laser, je ne vais pas vous aller dans le détail, mais c'est ce type de laser que nous
avec lequel nous travaillons, de façon à pouvoir produire la grande quantité de puissance qu'il nous faut, avec une puissance moyenne considérable, de façon propre. Voilà. Là, et ce laser est fibré. Alors maintenant, ma dernière application, c'est le problème que nous avons des débris spatiaux. Depuis 1957, depuis le premier Gagarine, le premier voyage dans l'espace de l'astronaute, eh bien, on a créé des millions et des millions de débris. Chaque fois qu'on envoie un satellite, chaque fois on produit des débris. Or, ces débris, ils peuvent être énormes, hein, comme des fois, j'ai mal à dire, machine à laver, ou bien très petits. Et ils voyagent tous à peu près à la même vitesse, 15 km par seconde, autour de la Terre. Et donc tous, et bien sûr, les tout petits débris ont des dimensions. Ces petits débris vont très vite. Ils sont très nombreux, des millions de débris. Donc il faut absolument arriver à s'en débarrasser. Et la façon de s'en débarrasser, c'est bien sûr, c'est d'utiliser un des lasers ultra-intenses que j'ai évoqués, ou dans une station spatiale, on vise des débris qui apparaissent. Et là, on ne va pas casser le débris. Ce qu'on veut faire, c'est faire une petite ablation sur le débris, c'est-à-dire qu'on focalise le laser sur le débris. Et cette focalisation va faire une ablation qui va produire un effet fusée, parce que de la matière va être extraite. Et action-réaction, il va y avoir le débris va être propulsé par l'effet fusée qu'on produit par le laser et l'ablation du laser. Voilà. Et donc, on pourrait, débris, bien sûr, on considère de débarrasser, nettoyer l'espace avec ce type d'application. Donc, oui, juste pour vous donner une idée, actuellement, depuis Gagarine, eh bien, on a envoyé 28 000 tonnes de matériel dans l'espace. Et il en reste à peu près, enfin, ça correspond à 4 tours Eiffel. Et il... il en reste à peu près la moitié du tour Eiffel. Ça fait beaucoup de débris. Voilà. Donc, là, on voit si vous avez un débris comme un boulon, hein, on a focalisé le laser pour faire cette ablation qui va produire, produire de la matière, cette matière va être éjectée du débris, et en étant éjectée, elle va produire cet effet roquette, fusée, qui va en fait déorbiter le débris. Le débris ne va pas rester sur la même orbite, mais il va déorbiter, et finalement il va tomber dans l'atmosphère, et c'est brûlé par l'atmosphère. Voilà. Alors, quand on a le prix Nobel, je termine là-dessus, on est invité, pas n'importe qui, mais on a beaucoup d'invitations. Hein. Et là, bien sûr, on est avec Donna, là, et on... Quand on a été invité, bien sûr, on s'est dit qu'est-ce qu'on va lui dire au pape, etc. On va lui dire ce qu'on fait, tout ça.
Et le pape était vraiment satisfait. On était très bien traités. Et donc, vraiment, on était séduits. Et je voulais conclure avec le motto d'Alfred Nobel. Le motto d'Alfred Nobel, c'est qu'il a créé son prix Nobel pour produire, aider l'humanité, produire les plus grands, produire des nettoyer, enfin produire pour le bénéfice, j'allais dire, pour le bénéfice de la société. Et donc, ce que je dis là, c'est en conclusion, la lumière extrême, en produisant les champs électriques les plus importants, les accélérations les plus importantes, les températures les plus importantes, les pressions les plus importantes, eh bien, ça offre des opportunités absolument nouvelles pour notre société. Et mais je pense que le best is yet to come. Là, ça c'est juste une few photos about le prix Nobel. Là, c'est bon, c'est quand je reçois le prix Nobel. Bon, après, il y a un grand banquet, et bon, là, je suis à côté de la reine, parce que je suis prix Nobel de physique, et en général, la physique, c'est first en Nobel. Et là, avec la reine, mais c'est cette image-là que je voulais vous montrer. La dernière chose qu'on fait quand on reçoit le prix Nobel, on est amené dans une pièce, et là, on nous présente des cahiers. Et ces cahiers, ce n'est pas n'importe quel cahier, parce que c'est les cahiers qui ont été signés par tous les prix Nobel. Alors on les voit tous, ça, et puis on vous demande même de signer. Et je trouve, et là je suis vraiment heureux j'aime cette photo parce qu'on est avec Marcel, ma femme, pour 55 ans, qui m'a énormément aidé. Et elle me regarde en train de rêver et de regarder les signatures de tous les prix Nobel. Merci beaucoup. Merci. Et je vous demande quelques instants parce que je vais aller baisser le son que j'avais augmenté un peu pour éviter les larcènes. Là. Je vais le baisser, pardon. Merci pour vos riches informations. Quel espoir vous mettez avec l'énorme puissance des lasers sur la fusion de l'hydrogène en hélium? Deuxièmement, existe-t-il actuellement des armes pour se défendre qui peuvent trucider ce qui se passe dans le ciel et en particulier des explosifs? Oui. Oui. La dernière question, surtout, écoutez, c'est très simple, il n'y a pas d'application militaire que je connaisse. Et il n'y en a pas parce que, en fait, oui, on produit des puissances absolument énormes, mais avec très peu d'énergie. Et c'est avec très peu d'énergie parce qu'on les produit en des temps extrêmement courts, c'est pour ça qu'on a la puissance. Qui est frais. Mais si vous voulez détruire quelque chose, si vous voulez, dans une application militaire, je ne sais pas, vous voulez détruire un tank, vous voulez détruire un drone, vous voulez détruire quelque chose comme ça, il faut de l'énergie. Et là, les énergies qu'on utilise dans toutes les applications, c'est pour ça que j'adore ce que je fais actuellement, c'est des applications de l'ordre du joule, du millijoule,
des choses qui sont complètement inoffensives. La première question, c'est la fusion. Oui, alors la fusion, oui, bien sûr. La fusion de l'hydrogène en hélium. Absolument. D'accord. Là, bon, ce type d'activité exige des temps pour la compression longue. C'est-à-dire, exige des impulsions très longues. Alors, très longue, c'est un milliardième de seconde. Mais c'est très très long pour nous. Donc, il y a actuellement, on travaille, bien sûr, je travaille là-dessus, où j'essaie d'utiliser les femtosecondes, des impulsions très très courtes, pour créer la fusion entre deux éléments. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question. Quand vous avez parlé des déchets nucléaires, oui, que vous pouviez, entre guillemets, faire passer d'une vie longue à une vie courte, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà en application ou c'est pure théorie? Non, 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 ça fonctionne. Alors pourquoi la centrale de Bure? Ah oui, bien sûr. Mais bon, on y travaille. Mais vous savez, il y avait une chose que j'ai pas eu le temps de m'attarder là-dessus, c'est qu'il a fallu développer un laser qui est une puissance. Alors, il faut vous dire une chose, le laser est une chose qui n'est pas bon, c'est que son efficacité, son rendement à la prise est mauvais. Ce qui empêche beaucoup d'applications, comme celle Donc, il a fallu qu'on invente, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, un nouveau type de laser qui est à la fois la puissance crête que vous avez besoin pour faire la réaction avec ce qu'on appelle la puissance moyenne où normalement le laser là est très mauvais. Il a fallu qu'on invente un nouveau type de laser où on puisse avoir la puissance crête, la puissance moyenne et surtout l'efficacité. Efficacité, ça c'est... Donc voilà. Alors, c'est un nouveau type de laser. Ce laser est basé sur ce qu'on appelle les fibres optiques, où, parce qu'il faut quand même, pour traiter des tonnes, des milliers de tonnes de débris, c'est ce dont on parle. Bien sûr, on ne peut pas faire ça avec un claquement de doigts. Et il faut vraiment... un système qui soit extrêmement efficace, enfin qui ait une bonne efficacité à la prise, de façon à ce qu'on puisse faire ça de façon économique. Et c'est ça, bien sûr, sur lequel ça fait à peu près 5 ans on travaille sur un nouveau type de laser qui est basé sur les fibres optiques pour les fibres optiques parce que c'est un très très bon rendement et on peut utiliser les diodes laser qui elles aussi ont un bon rendement pour activer les fibres. Donc j'ai bon espoir. C'est ça que vous voulez entendre. Voilà, d'accord. Oui, bonsoir, excusez-moi. Vous avez parlé effectivement de propulser des boulons dans l'espace. Hein. Donc, par contre, vous n'avez pas une solution pour le CO2? Ah non. Non. Pour les boulons, ça c'est bien sûr. C'est... Pour le CO2, non. Personnellement, mais bon, c'est pas un des problèmes que je peux traiter pour l'instant. Parce que là aussi, il y en a tellement, il va falloir arriver avec un laser qui est une excellente efficacité à la prise. Hein? Parce qu'il y en a tellement de CO2 dans l'atmosphère qu'il n'est pas possible de le
enfin, de le faire, enfin, je pense, de façon économique. Je crois que la meilleure façon, c'est de ne pas le faire, le CO2. Oui, mais il y en a déjà un petit peu. Ah oui, mais bon, il va se faire absorber par la photosynthèse ou autre chose. Oui, bonsoir, monsieur. Enfin, si vous aviez fini. Oui. Je voulais vous poser la question. Quand vous parliez de laser à forte intensité, vous parliez de matérialisation de la lumière. Mais oui. Concrètement, ça se traduit comment, ça? C'est-à-dire qu'avec la lumière, si vous la focalisez dans le vide, oui, vous allez décomposer le vide en particules et antiparticules. D'accord. Et vous produirez de la lumière. Pour ça, il faut des intensités de 10-29. Il faut arriver à ce qu'on appelle le champ critique, qui correspond à, en termes de champ électrique, qui correspond à des champs électriques de 10 puissance 19 volts par mètre. D'accord. Ça veut dire que nous, ce qu'on appelle vide, en réalité, c'est pas vide. Non, non. C'est loin d'être vide. Oui. Parce que même le vide n'est pas vide. Il ne peut pas être vide. Parce que vous avez le principe d'incertitude d'Heisenberg qui vous bloque. On ne peut pas avoir quelque chose avec sûreté, avec certaine. Et là, si vous me dites j'ai le vide, ça veut dire, ah oui, bon, mais ça veut dire que j'ai zéro particule. Oui. Donc on a violé le principe d'incertitude. Absolument. D'accord. Merci. Bonne question. Hein. De quelle ordre de l'économie sur les applications médicales? Vous aviez parlé donc de 4 centres en France qui faisaient actuellement du rayonnement, proton. De quel ordre d'économie avec votre invention on arrive à obtenir? Ce serait grand. Actuellement, j'essaie de vous donner un ordre de grandeur. Mais on pourrait diminuer le prix d'une installation d'un facteur 100, à mon avis. Et c'est ça qui m'attire. Parce qu'on fait de la recherche. Ce sont les grandes applications. C'est de sauver la vie de patients. Je ne vais pas parler de comment on pourrait guérir du cancer, mais c'est ce qu'on fait aussi. Avec les rayonnements qu'on peut, on a un bon espoir pour trouver un vaccin pour le cancer. Oui, enfin, voilà. Oui, j'avais une question qui rejoignait peut-être celle de Pierre. On parle beaucoup dans la presse en ce moment de certains articles justement sur la guerre de l'espace. Qui viendrait de. Non, est-ce que des élucubrations de journalistes ou tout ça, que des vaisseaux spatiaux russes pourraient justement faire, par des impacts de laser peut-être, déstabiliser des objets enfin, et les désorbitaliser. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que, avec ce que je fais, je peux foutre la trouille à tout le monde. Mais il y a une chose, comme j'ai dit, c'est qu'on utilise toujours des toutes petites, ce que l'on fait, c'est des petites quantités, c'est la beauté, de ce que j'aime faire, et c'est pour ça que j'aime le faire, c'est qu'en fait, ça implique que des toutes petites quantités d'énergie. Donc, et c'est pas avec ces énergies-là que vous allez détruire, comme je disais, les drones et les tanks et tout ce que vous voulez. C'est donc plutôt de la désinformation de la part de systèmes. Oh, totalement. Ah, mais, oui, et puis, bon, c'est pas nouveau. Le programme spatial, c'est sous Reagan déjà. Il y avait
la guerre des étoiles, quoi, qu'ils appelaient. Voilà. Et ça n'a pas, marché. Donc. En ophtalmologie, depuis 2018, quelles ont été vraiment les nouveautés? En ophtalmologie, en 2000... la greffe, peut-être. Gérer la greffe, la cornée. Parce qu'avec. Il y a une chose, c'est qu'il y a une implosion ultra brève, même avec très peu d'énergie, etc. Mais avec, parce que ça se fait actuellement beaucoup. Je suis sûr que dans cette salle, il y a des gens qui ont été traités avec un laser femtoseconde. Et, enfin, les découpes qu'on peut faire avec un laser femtoseconde, parce que l'impulsion est tellement courte qu'elle est parfaite. Est-ce qu'il y en a dans les hôpitaux? Ben absolument. Absolument. Il y a 3 ou 4 millions de personnes actuellement qui sont traitées avec des lasers femtoseconde en ophtalmologie. J'ai eu le prix, un prix pour ça, qui m'a été donné au Sénat américain pour ça. Donc je connais cette valeur. Il y a une des notions que vous avez traitées dans les réponses aux questions, c'est la notion d'efficacité à la prise. Absolument. Et là, je ne comprends plus rien. C'est-à-dire, vous dites que l'énergie utilisée est très très faible. Qu'est-ce que veut dire efficacité à la prise? Ah ben, efficacité, c'est un rapport. C'est un rapport entre l'énergie que vous utilisez avec la puissance ou avec l'énergie que vous utilisez pour produire cette énergie. C'est là où, on produit, nous, ces petites quantités d'énergie avec un temps très bref, mais ces petites quantités d'énergie ne peuvent pas être utilisées pour faire quelque chose de beaucoup plus... qui nécessite une grande énergie, parce que c'est une petite quantité d'énergie délivrée à un temps extrêmement court. Donc la valeur absolue de l'énergie que vous utilisez est très faible. Oui, est-ce que c'est ce type de laser-là qu'on emploie par exemple pour traiter les cataractes secondaires? Quand on découpe l'arrière Absolument. De la capsule de cristal. Oui, d'accord. Ah, mais je ne dis pas que c'est le seul type, mais c'est celui qui marche le mieux. Merci. L'année dernière, il y a eu une annonce qui a été faite par un laboratoire américain de recherche, le concurrent de ITER, qui a annoncé avoir Absolument. Produire plus d'énergie, justement, avec le confinement par laser. Oui. Et donc, eux, ils ont un bon rapport à l'énergie qu'ils prennent à la prise, mais pendant une durée très courte, je crois. Non, elle est très courte pour eux, mais elle est très longue pour nous, parce que ce sont des impulsions de quelques nanosecondes. Ah d'accord, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup... La lumière, en une nanoseconde, elle se déplace d'un pied. Et donc, les impulsions brèves, en une femtoseconde, ça se déplace un micron. Donc c'est tout à fait différent. Quoi. Alors on peut, actuellement, je connais très très bien le groupe, c'est des amis d'ailleurs, qui fait ça, et c'est fabuleux. Mais ce qu'il faut, c'est que il faut voir l'efficacité. Et donc, on avait évoqué avec le même groupe, j'avais travaillé sur un concept qui est équivalent au moteur diesel. Hein? Le moteur diesel, il fonctionne de la façon suivante. Hein? On fait une compression du fuel,
Et ensuite, il y a une bougie. Il n'y a pas de bougie. Pas de bougie. Il n'y a pas de bougie. Il n'y a pas de bougie. C'est qu'il y a un auto... auto-inflammation. Auto-inflammation, pardon. Donc, il n'y a pas de bougie. C'est ce type-là de laser, c'est sur ce principe-là que la fusion inertielle fonctionne. On a deux lasers, un laser avec beaucoup de bras qui va essayer de focaliser et de créer une compression. Et cette compression, elle est énorme, malgré tout. Et on a pensé, utiliser un laser 22 secondes pour jouer le rôle de la bougie. C'est-à-dire que lorsqu'on comprime le plus possible, à ce moment-là, on envoie une petite quantité d'énergie, dans un temps très bref, sur la cible. Mais on a essayé, ça ne donne pas encore des résultats. Et après, le phénomène, il s'auto-entretiendrait tout seul ? Non. Après, il faut chaque fois... Il faut continuer à comprendre. Répéter chaque fois cette opération. Mais vous avez raison, actuellement, c'est un très très beau résultat que le laboratoire de Livermore aux États-Unis, facteur 5, entre l'énergie qui est utilisée et puis l'énergie qui est reçue. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous arrivez à diriger votre laser ? Est-ce que vous parlez des boulons, que ce soit pour la cornée Les boulons ? Les boulons dans l'espace pour les viser, ou alors de manière générale, comment vous dirigez aussi finement ce laser ? Ça c'est facile. En optique, alors là on a des miroirs et on sait faire ça très 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 bien. Parce qu'il n'y a pas que nous qui utilisons des miroirs, hein, de précision et tout ça. Non, c'est très simple. Il n'y a rien de spécial. C'est simple. Ce sont des miroirs, des jeunes miroirs qu'on va diriger sur une cible qu'on connaît être exactement. Quand vous avez sur le miroir, ça ne capte pas le laser. Quand on tape sur le miroir, bon, on fait très attention d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas qu'on détruise le miroir. Si la puissance est très 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 grande, on peut détruire le miroir. Et ça, c'est un des problèmes. Mais bon, bien sûr, on utilise des énergies qui sont plus faibles que le seuil de dommage des miroirs. Et ça, c'est le truc vraiment très bonne question. Très bonne question. Oui, vous avez expliqué comment, en envoyant votre impulsion sur un fin film métallique, vous comprimiez les électrons, et c'est le rebond, en fait, qui raccourcissait le temps de l'impulsion. Mais dans le système, après, donc, il y a une espèce d'étalement de la puissance sur un temps plus long, et puis vous devez le réamplifier. Comment ça se fait ? Comment ça se pratique-t-il dans l'expérience ? Oui, actuellement, on prend notre impulsion qui est longue. L'impulsion longue que l'on va maintenant comprimer. Et on a compris, bon, je le répète un petit peu parce que c'est quand même c'est sioux. Hein. Donc on le comprime par un miroir sur lequel on a envoyé l'impulsion. Et ce miroir, maintenant, ce sont les électrons que l'on crée lorsqu'on... Bon, on a notre cible. Hein. Bon, les électrons et les protons sont en équilibre, etc. Donc, c'est neutre. Okay. Maintenant, lorsqu'on va envoyer l'impulsion, on va ioniser le matériau. C'est-à-dire que les électrons et les ions vont être séparés. C'est à ce moment-là que... Mais la lumière est toujours là, et elle va pousser ce qu'on appelle la pression de radiation, hein, la force pondéromotrice,
va pousser les électrons, les séparer des ions, et on crée ce champ électrique absolument considérable. Et c'est ce champ électrique considérable qui va maintenant faire bouger les électrons à la vitesse de la lumière. J'ai fait mes études il y a très longtemps, et quand j'ai appris ce que c'était que la lumière, on m'avait dit que c'était des photons. Je ne vous ai pas une fois entendu parler de photons. Est-ce que la notion de lumière corpusculaire n'existe plus, ou c'est une utilisation? C'est les deux. Ah, c'est les deux. C'est les deux. Bon, on choisit le modèle corpusculaire ou le modèle de champ électrique, comme on veut, mais ce qui est le plus facile de justifier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, les photons sont toujours là. Et on sait convertir parfaitement les champs, les photons avec les champs électriques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Une autre question là-bas. Oui, bonsoir. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, on nous présentait le projet ITER dans les Bouches-du-Rhône, près de Cadarache, nous montrant de belles perspectives quant au nucléaire et ses possibilités. Oui. Donc, qu'en est-il aujourd'hui, puisqu'on n'en entend plus trop parler, au niveau, on va dire, aussi média? Non. Bon, là, il faut bien voir, c'est que pour la fusion, il y a deux techniques. Soit pour la compression, on utilise le magnétisme, c'est ce que fait ITER, soit la compression, parce qu'il s'agit de comprimer, hein, il s'agit d'en faire la fusion, donc pour fusionner, il faut comprimer. Et là maintenant, on utilise le laser, avec ces fameuses impulsions nanosecondes, etc. Dans les deux cas, ce sont des systèmes qui sont excessivement grands, excessivement chers aussi. Hein. Mais les lasers, j'avoue, le laboratoire de Livermore en Californie a montré que la fusion laser fonctionnait, c'est-à-dire que la compression qui était réalisée par des faisceaux de lumière nanosecondes fonctionnait, puisqu'ils ont obtenu un facteur 5 entre le laser qui arrivait sur la cible et l'énergie qui était produite. Alors là, il faut faire attention, parce qu'il y a aussi, ça c'est un très beau résultat scientifique, mais bien sûr, ils ne tiennent pas compte de tout ce qu'il faut faire et qui consomme de l'énergie pour arriver à ce résultat. Hein? Donc on n'est pas encore au bout de nos peines. On n'a pas encore la coupe aux lèvres. Mais bonne question encore. Bien. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, donc, est-ce qu'il y a... Ah, pardon, je tourne le dos. Toujours pour faire un peu de science-fiction, il y a quelques années, on nous expliquait qu'on voyagerait jusqu'à Mars avec une voile solaire poussé par un laser sur Terre. Non, ça je comprends. Enfin, je pense que c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais il faudrait des moyens absolument considérables. Il faut des moyens considérables. Bien sûr. Non, mais c'est possible, mais il faudrait. Ça se coûterait très très cher.
juste une petite question. Est-ce que ces nouveaux lasers permettent de mieux comprendre la physique quantique? Absolument. Enfin, c'est de la physique quantique. Et donc, je veux dire que tout ce qu'on fait, c'est toujours quantique. L'époque sans où les gens ont de l'intrication et des choses comme ça.